C'est un secteur sur lequel nous avons une très grosse coopération. Nous investissons énormément de moyens également, en hommes et en financement. Et il nous paraissait important et véritablement utile que nous puissions montrer à tous, à toutes, à la presse et surtout à la jeunesse de ce pays, ce que nous faisons, comment nous le faisons, à quoi ça sert, et puis surtout comment nous pouvons aider, accompagner les forces de sécurité intérieure et les différents corps dans leur montée en puissance en matière de formation et d'organisation. Moi, en venant, j'ai pensé que j'allais m'asseoir dans une salle climatisée, j'allais pas faire des activités physiques, mais je dirais que c'est quelque chose de très émouvant en fait. Au début, je me plaignais, je disais que non, c'était difficile le fait de marcher, les va-et-vient, mais avec cette activité qu'on vient de faire, j'ai encore plus apprécié la journée. Nous avons vu différentes simulations dans différents domaines, que ce soit au niveau de la garde nationale, au niveau de la douane, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la protection civile. Et cela nous a beaucoup donné des connaissances sur d'autres domaines qui ne sont pas notre domaine d'études.